Oh, il s'est passé quoi? Ah, oui, d'accord. Il y en a un qui a fait péter de bombe. Des géants. Et que je prends cher. Il y en a qui sont en train de bouffer leurs potes. Bon appétit les gars. Oh attends. Ah dommage, j'ai pas d'explosif. Autant je vais m'en crafter, hein, ça va être marrant. Oh, rect. Ah ah! T'as vu ça? Ouais. Oh non! J'aime pas trop les meufs qui ont les surfer. Oh, attends, je crave des médics là. Oh. Attends, je monte en haut de la. Oh oui! Ah, de la nôtre. Oh ah, lampe torche, ouais. Beaucoup rien. De lampe torche qui arrive. Oh, il a contourné le piège. Il se l'est pris ce con. Oh là 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 là, mais quel neuneu. Il y en a un, il mange son pote. Dégage, enfoiré. Bon appétit bien T'es sûr. T'es pas à Buffalo Grill. Putain. Oh. Ah, il veut ma peau. Hein. Attends, je vais essayer de le faire se prendre le piège. Ah bah voilà. J'ai. Ah si tu trouves des animaux, n'hésite pas à les tuer. Hein. Comme ça on a encore de la viande. Il y a plein de tortues là. J'ai entendu un cri assez sympathique. Du genre bienvenue chez nous. Welcome. Oh, oh putain, la tortue elle a bugué. Je crois elle s'est envolée. Tortue volante. Non, c'est pas une connerie. Hein. En fait, je lui ai mis un coup de katana, mais elle était dans deux phases, donc ça peut-être tapé dans sa carapace, et puis elle était dans un piège en même temps. Je sais pas ce que ça a fait, je l'ai mis en orbite, quoi. Oui. Désormais, cette tortue tourne autour de la Terre. Nous ne la reverrons jamais. Non. Première tortue dans l'espace. Crève. Crève. Allez, t'as gagné. Et... un aller-retour dans le feu. J'étais en train de la découper. Mais c'est bon, elle est dans le feu, la voile est découpée dans le feu. Allez! Imagine si les tortues pourraient activer les pièges. Oh. Tellement il y en a là. Là, t'entends une explosion du feu, tout le bordel. C'est quoi ce bordel? C'est rien, c'est les tortues. Au début, tu te chies dessus, oh mon dieu, des cannibales. Maintenant, c'est ok, il y a des cannibales, pof, 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 suivant. Non, justement, ouais, des cannibales! Oui, on va pouvoir les tuer! Bon, c'est quand même que tu reconstruis ta bouboule, toi, parce que, hein. Ah bah, tu l'aurais pas pété avec une bombe, aussi. C'était marrant, quand même. Non, il va tomber sur toi. Non. Je m'étais écarté. J'ai senti le danger arriver. Tu sais, ça sentait le danger. Il y avait une petite odeur de danger. Hé, hey, métron! Bah les couilles.
Ah, toi, si je te chope, tu vas pas comprendre. Oui, j'ai dit on fait une course, mais non, en fait. Et vas-y. Bah non, je me suis pris un tronc d'arbre. Je l'ai vu s'envoler quand tu l'as repris. Eh hey, mon... Ouais. Mon chariot. Putain. Me casse. Ah, coucou toi. Viens prendre ta baffe. Viens prendre ta baffe. C'est un gros. Ouais, un gros petit. Hein. Ah non. Ouais, un gros qui me mit par terre. Allez, regarde-moi, l'autochtone, il est tranquille, il est en train de marcher, tout ça, t'es venu le faire chier, c'est pour ça qu'il est venu te tuer. Non mais oh. Bah, quand il se promène à côté du fort à corps. Hein. C'est vrai que le fort à corps... Faut me laisser faire. Voilà. Oui, car en effet, ceci est le fort à corps. Hein. Il faut ouais, mais puis il se casse comme sans marchant, quoi. Tu m'aimes pas. C'est ça. Un coup de main? Non, non, ça va aller. Hop là, un pendu. Et hop là, un mec qui s'est pris les pièges. Parfait. Renfort en approche. Renfort sur zone, mais renfort attaqué. Donc, renfort va crever. Renfort. Renfort blessé lourdement. Renfort va mourir. Ah non! Au secours! Ah! Je vais mourir. Règle numéro 1, ne pas compter sur les renforts. Ah, le renfort est mort. C'est pas bon, on a plus qu'à Ristar. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Et heureusement qu'on repart pas sans stuff. Hein. C'est clair. C'est ta faute aussi, là, mourir. T'es chiant. Ah oui, bah oui, bah y a les trois gens sur moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Courir. Eh ben j'ai couru. Moi aussi, je te rassure. Un cannibale qui pleure, on dirait. Hein. D'après toi, il pleure ou il gémit? Là, il fait plus rien. Bon. Moi, j'aurais dit qu'il rigolait. Mais il est vachement sadique, s'il rigole. Hein. J'avoue, hey, je suis pendu, lol lol lol. Mais oui, oh là là, mais j'en ai marre. Rageux. Mauvais joueur. Oh la vache. Ah oui, ça saute bien. Ok, bah si tu meurs, mec, je te démonte. Ah. Au secours, ils me poursuivent encore une fois. Non. Ouais, bah vas-y, je... Ah non. Pile quand j'appuie sur F, quoi. Ah, oula. Oh, ils m'ont vu. Merde. Le but des pièges, c'est que ce soit eux qui se les prennent, Thomas. Ah, merci de me l'apprendre. De rien, non, mais... Je m'en sers. Ah, voilà, comme ça, par exemple. Non, fais pas, arrête. Non, 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 non. Non, il m'en retient, l'enfoiré. Non, non, non. Non, tu peux plus, je suis arrivé. Ouais, bah tu m'as... Les troncs. Et le pire, non, c'est que je les ai pas volés, ils sont à leur place. Je les ai juste déplacés. Ouais, tu les as juste mis par terre. Oui. Je vois pas où est le mal. Je te déteste. Je sais. Ah, si, pro. Ah, bah tant mieux, alors. Je pense qu'il y avait une forêt ici, hein, mais il n'y a vraiment plus rien. Non, mais avant, je te dis, c'était une forêt dense ici. Oui, mais ça, c'était avant. Oui.
Oh. Attends, enfoiré. Ça a dû faire peur là. J'ai levé les yeux, j'ai vu un arbre tomber, j'ai fait oh non. Ah bah là on est posé à côté d'un méga arbre. Un méga arbre. Un méga arbre. J'entends que ça court, hein. Il y en a dans le coin. Ouais, je crois qu'on voit ce que c'est, non? Ouais. On prend le chariot, on se casse. On prend le chariot, on se casse. C'est Prenez le Pépé chariot, Mémé. les gars. C'est Pépé et Mémé qui volent les courses, quoi, au champ. On prend le chariot, on se casse. Mais ce jeu, quand même, c'est le seul jeu où tu commences avec une hache, tu finis avec des tractopelles, quoi. C'est ça. Mais ce serait bien de pouvoir faire des maisons comme eux, tu vois, genre pour vraiment se camoufler. Tu Ouais, fais ça marcherait pas. une maison en triangle comme eux, mais si, comme ça, ils croient que t'es des leurs. Et... Il n'a aucun sens de là. Du camouflage. Mais si, j'ai le sens du camouflage. Moi, mon camouflage, c'est faire un gros fort et leur montrer qu'on n'est pas là pour rigoler. Ouais, c'est plus du camouflage, c'est de l'intimidation. Oh, regarde, ils sont bloqués. C'est trop marrant ça. Mais qu'est-ce que ça fait? Ah merde, ouais, peut-être Mais pas. voilà, tu les as fait rentrer, espèce d'abruti. Mais c'est pas grave, s'ils rentrent que deux par deux, c'est bon, on leur met la vie. Ah ouais, on Ah les fait non. rentrer. Non, quoi que je suis par terre. Ah voilà, t'es malin toi. Ta gueule. Par contre, les pièges à poutres tombantes, faut qu'on les mette contre nos murs. Oui, à la limite, oui. C'est comme ça, s'ils rentrent, on a juste à rentrer et eux ils se font défoncer. Ah mais ouais, c'est cool. C'est un parcours du combattant. Bah, celui qui rentre, il n'en sortira jamais. Bah ça, tu vois, en fait, c'est Bear Grylls sur une île déserte. C'est ça. Derrière toi, mec, derrière toi, y'a un lapin. D'un enfoiré. Oh, là-bas, tu l'as vu? Non, il y avait quoi? Mon cul. Un connard. Derrière toi. Mec, j'ai fait une action absolument magnifique. Ah ouais? Tu m'as dit derrière toi, je me suis retourné en bloquant et j'ai bloqué son attaque. Bravo. C'était Ça aurait été marrant que tu dises, ouais, il y a encore un lapin, c'est ça, et là, BIM! Oh, regarde la balle, oh putain! Oh la vache, la famille qui arrive! Oh, regarde, regarde, regarde! Il y en a encore plein qui viennent du village! Là-bas, 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 il y a un arbre. Mais non, mais ça se peut pas, je t'ai. Non, t'es jamais parti. Ah bah, qui te dit que je suis jamais parti? Peut-être que je suis jamais resté. Eh hey, Jean-Claude Van Damme, ferme ta gueule. Putain, mais tu vises comment avec l'arc? Parce que moi je comprends pas. Bah tu vises pas. Oh, y'a Squirrel. Y'a des Squirrel. Oh, j'ai eu. On continue de marcher de nuit, peut-être comme ça ils viendront pas trop nous faire chier. C'est beau, putain. Bah tiens, regarde, avec un cannibale qui arrive en plus. Oh, c'est beau. Un qui se barre. Dans un cadre idyllique, observez le cannibale dans son milieu. La mec, vaut mieux pas que tu t'arrêtes parce que je suis derrière toi en train de donner des coups de katana. Donc... Mec, il s'arrête pour faire son lacet. Pouah, il fait trop chaud d'eux. Putain, oh là là, il n'y a pas tortillé du cul pour chier droit, c'est vachement beau quand même. Reviens là, sac à main! C'est le gros puriste, sac à main! Le sac à main il a disparu! Si. Vous savez le cannibale dans son milieu là. Oh, c'est un géant! Mais. Ah, c'est. Oui. Mais non, mais. T'as le droit de m'insulter! Mais non, mais. Mais qu'est-ce que t'as foutu? Mais j'allais faire un reportage sur les cannibales! Bah, tu peux toujours le faire! Comme vous pouvez le voir, le cannibale est très très agressif envers ses agresseurs. Oh putain! Mais aussi. Des oh là là, je suis par terre, je suis par terre! Ah, on nous indique que le reporter Alexandre est à terre. T'en as 4 sur toi, allez! Monsieur, nous sommes des journalistes! Nous sommes des journalistes! Non! On aurait dû mettre un t-shirt avec écrit presse dessus. C'est ça.
Bon bah planque-toi, j'arrive. Planque-toi, t'es marrant, attends, je suis en train de me faire courser par 4 géants. Ah, ils sont toujours là. Ils sont derrière moi. Bah, c'est la cavalerie. Ouais, c'est la cavalerie, bah... Oh, ah, ils sont encore derrière. Je suis mort. Dommage. Quelle idée de les attirer aussi? Bah, quelle idée de les attirer, quelle idée de les attaquer aussi, du con. Oh bien, tu peux pas mettre un vrai son de cavalerie, ce serait plus drôle. Bon, je t'attends. Les poulets épicés. Après, tu demandes une partie sauce oignon et puis une partie ketchup. Ils peuvent. Salade tomate oignon. Et puis voilà. C'est bon, attends, il me gueule dessus là, l'autre. Qu'est-ce qu'il y a ? Tout le monde a tué tes potes, c'est ça ? Ça te plaît pas, hein ? Eh bah, tu vas les rejoindre. Aïe, d'accord. En fait, c'est plutôt. Ok, bon, on s'entre-tuage. Entre-tué, ouais. Genre le. Oh, vas-y, je monte dessus. Il fait du crocodile. Tiens, viens. Allez, les crocodiles sur le bord du Nil, ils sont partis, non pas non plus. Allez, crocodiles. Hey, mais règle-le, putain, mais frappe-le, qu'est-ce que t'attends? Arrête de faire du crocodile. Un crocodile s'en allant à la guerre disait au revoir à ses petits enfants. Traînant sa queue dans la poussière, il s'en allait combattre les éléphants. Allez, les crocodiles, sur le bord du Nil, ils sont partis, non pas. Mais elle vient d'où cette chanson, sérieusement? Aucune idée. Déjà, des crocodiles versus des éléphants, les éléphants ouais, les défoncent, quoi. Là, je suis en train de réfléchir un peu sur les paroles. Mais c'est horrible, parce que c'est le crocodile qui dit au revoir à ses enfants pour aller. Qui va en guerre, en fait. C'est ça. Et donc, on est bien content qu'ils sont partis, puisqu'on n'en parle plus, sur le bord du Nil. Voilà. Sensei, que faites-vous? Je vais t'enseigner la technique du coupage d'art. Oh mon dieu, mais comment faites-vous? Vous êtes tellement fort. Avec, clic gauche. Bah oui, mais je te l'ai dit qu'on dirait Slender avec la lampe. C'est beau. Un Slender avec une hache de combat quand même. Oui. Pas de survie, mais... Slender version rebelle. C'est ça. Là, c'est pas nous, c'est pas Slender qui nous chasse, c'est nous qui chassons le Slender. C'est ça. Slender. Slender, il voit, il se barre en courant. Je sais pas ce qu'il a, mais... T'entends ce qu'il fait? Oui, il rogne. Moi, j'ai plutôt qu'il chiale. Il demande notre respect. Machin. Bah, il me fait de la peine. Ouais, moi aussi, il me fait de la peine, mais ça va. Attends, je vais lui faire un cadeau. Ah oui. Ah. Alors là, t'auras une bonne raison de chialer, connard. Là, j'ai l'impression qu'il est pas très content. De toute façon, il est mort. Ah, de toute façon il est mort donc. C'est quoi ce truc? Il m'a pas l'air très amical hein. C'est quoi cette obèse? Mais tourne autour. J'ai cru qu'il allait me taper, mais attends, on dirait qu'il a deux têtes. Il a cassé un arbre, non. Ça charge. Ouais, ça charge. Bon, ça charge, mais ça a pas l'air. Ah, mais il y a une grotte là en plus. Attends, y'a un copain là. Il crame. Viens, fais gaffe, y'a un copain derrière toi. Je sais. Il crame le gros. Il est où? Et là, il crame.
Bah attends, il y a le trou. Il est cramé. Ah bah il est là, t'as le trou là. Bah attends, il est mort. Ouais, il est en train de cramer. Non, pour essayer. Merde. Oh la vache, il m'a fait mal. Ah, le bruit que ça fait. Bon, enfin, il est pas si dangereux que ça. Hein. À mon avis, quand il te charge. Ah. Bah, j'ai pris un midlife. Hein. Oh, tu vas mourir en peur. Ou alors, il va nous défoncer. Meurs. Attends qu'il charge. Oh. Ah, j'ai pris un midlife là. Pousse-toi. Bien. J'ai. Je sens là, il y a un truc. Ah, mec, viens voir. Attends, il y a des planches à casser là. Ah, j'ai un cadavre coupé en deux, viens voir. Oh. Mais genre coupé en deux dans le sens de la longueur. Ah. Ah, bah tiens, il y en a un deuxième ici. Oh, bonjour. Oh, le vrai. Bah, c'est peut-être le même. Ah peut-être, bah non, ah si peut-être. Attends, on va essayer de la recoller. Le feu, il y a le feu, il y a le feu. Oh, ils font tout cramer. C'est pas bien. La meilleure façon de chasser de la biche... C'est à la dynamite. Reviens. Thomas nous propose un épisode de chasse et pêche. Enfin, chasse et pêche, j'ai complètement loupé ma dynamite. Chasse et pêche version russe, my friend. Tiens. Hop là, une petite biche. Genre, j'ai loupé. Ah, j'ai abattu un arbre. Bon bah, bûcheronnage à la dynamite. Hein. Aussi, ouais. Ah bah voilà, je l'ai eu. Ouais. Eh ouais. Ah là là. Donc, quel est le nom de notre fort, maintenant? Bon, j'aimais bien le fort raccord. Ouais, mais t'avais changé le nom tout à l'heure. Oui, mais non. Alcatraz. Alcatraz. Une fois que tu rentres, tu peux plus en sortir, quoi. C'est ça. Slender, où es-tu? À l'avion, là. Il est à l'avion? Y a pas grand monde, hein. Non, moi, je suis à l'avion, mais y a pas grand monde. Ah bah... Y a pas full pour un dimanche. On est samedi. Ah oui, samedi. Ah, pour un samedi soir, c'est vrai qu'il y a pas full. Ah, d'habitude, ils font une boîte de nuit dans l'avion. Avec des flares. Oh, trop bien. Culé, va. Ah, t'as le seum, hein. Au-dessus, ce petit con. Et j'y suis passé au-dessus. Ouais, eh ben non. Eh ben si. J'ai gagné. T'aurais pu lock, hein, quand même. Ça aurait été plus drôle. Ah oui, oh merde. Pas con, pas con. C'est bien, tu gagnes en échelle de connarderie. Exactement. T'es beau, tu sais. Merci, merci. Toi aussi. Merci beaucoup. Aïe. Bon, attends, je monte en haut du minaret, je vais appeler à la prière pour les cannibales. Attention, appel à la prière. Oh. Alors, regardez, ils viennent, hein. Ah là là. Rien de mieux que de s'asseoir au clair de la lune. Non, pas au clair de la lune, au clair de lune. Au clair de la lune, c'est une comptine, connard. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. La 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 la
Oh, tu m'as fait bouger. Oh, genre, tu m'as fait bouger du vent. Oh mon dieu, il est assis en lévitation. Donc. On a trouvé un troupeau de troncs d'arbres. Alors, ah, fais gaffe là, il y a un cannibale. Non, derrière toi. Non, mais. Derrière toi, il y en a deux. Mais je tape des oiseaux là. Donc, ainsi, le résultat de ma chasse à la dynamite était caché ici. Oh, j'ai vu le truc. Oh putain, y'a plus rien. C'était une connerie là. J'ai rien fait. Putain, vite, faut refaire ça. Ah ben non, on save pas, on quitte. Ouais, tout simplement. Ouais, enfin, on save pas, on quitte, moi je m'amuserais pas à faire tomber ça, tu sais. Non, mais, oh putain. Oh là 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 là. Vois la porte. Vois la porte. Donc je la défonce. Ouais, cette porte. Bon, ok. Non. Oh mais. Ah non, c'est que des flairs. Oh putain. Oh oh. Oh putain. Ça va, ça pas fait grand chose. Mais imagine ça vraiment save. Oh, c'est dans la merde. Alors, enfin. Enfin au fond de ce putain de trou. Ah, ça brûle, ah, ça brûle. Oh, oh, t'as bien fait pour ta gueule. Bon allez, moi je l'écoute, t'as fait tant de conneries.